Bonjour à toi, ici Delil Tahar Ursul, investisseur, coach et consultant patrimonial. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer combien et je vais te montrer combien gagnent les courtiers en crédit immobilier. À tout de suite. Aujourd'hui, plus de 30% des financements immobiliers passent par des courtiers. Alors, comment ils se rémunèrent? Il faut savoir que le courtier est rémunéré à la mission. C'est-à-dire que s'il réalise l'objet de sa mission, il est payé. Sinon, pas du tout. C'est pourquoi un courtier, il a le droit de refuser certaines missions s'il le sent mal. Ceci étant dit, combien il gagne? Pour un projet de recherche de capitaux, dans le cadre d'un investissement immobilier, ton courtier peut te facturer entre 1 000 et 5 000 euros d'honoraires planchers. Ça dépend. En fait, les honoraires planchers, c'est le montant minimum par dossier que ton courtier va te facturer. Ici à Nevers, par exemple, là où j'habite, ça va de 1 500 euros minimum pour ma part jusqu'à 5 000 euros pour certains courtiers. En plus, certains courtiers se font payer également par les banques, entre 0,50 et 1% du financement. Moi, je ne suis pas pour être payé par les banques. Car en faisant ça, on a le, entre guillemets, le cul entre deux chaises et on travaille indirectement pour les banques. J'en parle dans une vidéo dont je mettrai le lien dans le descriptif et j'explique la différence entre un courtier de proximité et les autres courtiers. Je vous invite à cliquer dessus si vous voulez en savoir plus. Autre avantage pour les courtiers, c'est qu'ils ne sont pas assujettis à la TVA pour leurs honoraires. Selon l'article L519.2 du Code général des impôts. Donc, je vous laisse faire vos calculs. Pas de TVA entre 1 500 et 5 000 euros d'honoraires pour certains. Donc, ça dépend de vos frais, de combien je vous gagne par rapport à chaque mission. Concernant le regroupement de crédits, c'est différent car il y a plus de travail, car il faut faire appel à un notaire pour réaliser le projet. Les honoraires pour le regroupement de crédit varient entre 1% du financement et jusqu'à 9% pour les plus chers. Alors, combien gagne un courtier en moyenne? Tout dépend du courtier, qu'il soit débutant ou expérimenté, et aussi des honoraires qu'il facture. Mais en moyenne, un courtier gagne entre 30 000 et 100 000 euros bruts par an. Bien sûr, ce n'est pas ce qui reste dans sa poche, c'est du brut. Simplement, mais en moyenne, c'est ça, entre 30 et 100 000 euros bruts par courtier. N'oublie pas, TD Conseil est là pour t'aider, coach immobilier, courtage en assurance, crédit et finance. L'objectif, c'est de payer moins cher pour être rentable. Je t'aide à acheter et à vendre plus cher s'il le faut grâce au coaching. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à la liker, à la partager, à t'abonner et bien sûr à m'appeler en cas de projet d'investissement. Je mets tous les liens dans le descriptif. Je te dis à très vite. Ciao, ciao, ciao.